Bienvenue sur Terra Pacifique. Aujourd'hui à bord, c'est exercice de sécurité pour tout le monde. C'est l'occasion de répondre à la question du collège Charles Péguy à Versailles. Attention, c'est parti. Il y a le feu. On abandonne le navire. Il y a un blessé. Il est où le blessé? Et la question du jour est, est-il dangereux de travailler à bord de Tara? En tant que second, mon rôle est de veiller à la sécurité de chacun. Et la règle d'or de Tara, c'est qu'il est interdit de se blesser. Pour répondre à cette question, nous allons aborder trois des risques principaux qui peuvent arriver sur un navire. Le feu, l'abandon du navire et un blessé à bord. On y va? 1, 2, 3, levez. Attention pour poser. À bord de Tara, on n'a pas de médecin. En revanche, certains marins ont une formation médicale avancée. Et on a une pharmacie complète qui nous permet déjà de pallier au premier secours. Et on a la possibilité de joindre un médecin 24 heures sur 24, n'importe où dans le monde, pour se faire téléguider. État stable, second. Très bien. Le risque majeur à bord d'un navire, c'est le feu. Sur Tara, on est équipé de deux grosses pompes à incendie qui nous permettent de pomper l'eau de mer pour les recracher dans les grandes lances de pompiers, comme vous pouvez voir avec Loïc. Dans le pire des cas, si on doit abandonner le navire, Tara est équipée de combinaisons de survie et de trois radeaux de survie dans lesquels on pourra s'abriter en attendant l'intervention des secours. Et vous vous demandez peut-être ce que j'ai autour du cou depuis le début, ça s'appelle un gilet de sauvetage, ça me permet de flotter si jamais je tombe à l'eau. Démonstration! Homme à la mer! Homme à la mer! C'est bon! Allez, à bientôt! Ciao! Il est où le blessé? Dans le pire des cas, si on doit abandonner le navire, Tara est équipée de Képu. Attends. On y va, vas-y. On y va les gars. On y... Non, 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 depuis le début. Ah, complète saucisson, tu sais. Pour répondre à cette question. Pour répondre à cette question, nous allons aborder trois des risques principaux qui peuvent arriver sur un navire.